Bien, bonjour à toutes et à tous et rebonjour à celles et ceux qui étaient présents et présentes pour la conférence précédente. Je suis accompagné de Pauline Escande-Gauquier qui donc vas-y Pauline, présente-toi si tu le souhaites. Oui, bonjour, donc Pauline Escande-Gauquier, maîtresse de conférence au CELSA depuis plus de 10 ans maintenant et responsable du parcours magistère. Voilà, et je suis Thierry Devar, je suis maître de conférence au CELSA et responsable avec Pauline de ce parcours qu'on va vous présenter, en passant peut-être un peu plus rapidement sur des diapositives que vous avez déjà vues pour certaines et certains, en tout cas en essayant d'être, disons, synthétique sur certains aspects. Donc le CELSA Sorbonne Université est une grande école dans Sorbonne Université qui donc obéit à un double objectif. L'objectif d'une grande école qui a un objectif de professionnalisation à l'intérieur d'une université qui invite les, à une formation académique réflexive de nos étudiants. Ah, je me disais, il y en a un fond sonore animé, sympathique. Qu'est-ce qui était un portable. C'était un portable, voilà. D'accord. C'était Monsieur Tassel qui sonnait avec... D'accord, ok. Donc on a vous voyez ici une vue en plongée, me semble-t-il, sur la cour de l'école et sur l'amphithéâtre, pour vous donner un avant-goût du printemps qui va venir, qui va revenir. Et puis cette école. Donc qu'est-ce que le CELSA? Donc comme je le disais, le CELSA, c'est une grande école publique. Une grande école publique interne à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Et c'est depuis un certain temps l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication. Le CELSA fait par ailleurs partie de la conférence des grandes écoles. C'est une école reconnue. Elle a donc été créée en 1957 au sein de la Sorbonne et propose des formations professionnalisantes dans différents secteurs, parmi lesquels figurent le journalisme, la communication, la marque, la publicité, les médias, les ressources humaines, etc. Quelques chiffres, les étudiants et étudiantes du CELSA, lorsque tout le monde est présent, généralement c'est entre septembre et décembre, c'est 600 étudiantes et étudiants en formation initiale, dont 152 en apprentissage, et une moyenne de 25 étudiants et étudiantes par formation, avec une... 2 ou 3 années d'études selon le cursus. Alors, cette diapositive est dense, comme vous pouvez le voir, donc on va essayer de la résumer à ses principales feuilles, puisque la métaphore de la branche est ici bienvenue. Le positionnement pédagogique du CELSA, c'est un positionnement qui est d'abord généraliste. C'est une école qui forme aux transformations de la communication, transformations contemporaine dans une optique de professionnalisation progressive des étudiants de la licence 3 au master 2. Donc un objectif de professionnalisation qui suppose des liens resserrés avec les acteurs du monde académique, économique, institutionnel, avec des stages, des apprentissages, des perspectives d'insertion plutôt florissantes et un réseau d'anciens et d'anciennes, d'alumni qui est tout à fait, je dirais, au service de cette école. C'est une école donc qui professionnalise, mais qui s'inscrit aussi dans le giron de Sorbonne Université et dans la perspective, ou dans la continuité plutôt d'une tradition, celle de la pratique des sciences humaines et sociales, et en particulier des sciences de l'information et de la communication, où nous invitons nos étudiantes et étudiants à analyser les enjeux de société contemporains. Par notamment une perspective à laquelle nous tenons au CELSA, c'est d'articuler la professionnalisation à une perspective de recherche et de recherche appliquée. Recherche qui peut prendre une forme collective, des travaux de groupe, hein, jusqu'au mémoire de fin d'études, mémoire de Master 2, qui est un mémoire de recherche individuel, sur des sujets qui généralement sont en lien avec le parcours que vous aurez choisi. Pour le magistère, c'est la culture entendue au sens large du terme. Dernière peut-être caractéristique de ce positionnement pédagogique, l'attention portée, accordée à l'entrepreneuriat avec un dispositif pépite et un master dédié qui est le master entreprendre. Donc recherche, je vais passer assez rapidement.
La particularité du CELSA, c'est que c'est une grande école qui est animée par des professionnels, mais également par des enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, qui appartiennent toutes et tous à un laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication, connu sous le doux nom du GRIPIC, acronyme qui signifie Groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication, et qui analyse le rôle structurant de ces processus d'information et de communication dans différents domaines, la vie marchande par exemple, les médiations marchandes, l'espace politique, l'espace public, la vie sociale de façon plus générale à partir d'axes thématiques. Alors on l'évoque ici parce que ça joue un rôle structurant dans la manière dont nos cours sont alimentés, animés, irrigués. Vous avez cinq thématiques, qui sont ici présentées, culture, savoir et communication, qui concernent assez spécifiquement le magistère par ailleurs, médiation marchande, forme et écriture médiatique, dynamique de communication dans l'espace public et enjeux de communication et de relations de travail. Donc ce sont évidemment des axes qui évoluent en fonction des transformations de notre société et de la communication aujourd'hui. Les diplômes que délivre le CELSA sont ici exposés, à savoir la licence, le master, le magistère, qui a un diplôme d'école spécifique à notre département, on y reviendra, le doctorat, le master spécialisé et l'exécutif MBA. À noter également que dans le cadre du dispositif Pépite, le CELSA est aussi porteur du D2E, à savoir le diplôme d'étudiant entrepreneur, et d'un DU de gestion de projet entrepreneurial et intrapreneurial. Alors, tous ces chiffres, toute cette rhétorique du nombre qui est censée valoriser notre école, l'insertion professionnelle au CELSA, c'est 2800 offres de stage et 1700 offres en apprentissage. Donc on a une vie et des relations avec le champ économique, les milieux du travail qui sont assez fécondes, 870 offres d'emploi, un certain nombre d'événements qui sont organisés par nos services, notamment d'insertion professionnelle, et qui permettent aux étudiantes et aux étudiants de rencontrer les entreprises et les institutions recruteuses, d'effectuer au bout de 3 années près de 18 mois de formation professionnelle en stage ou en apprentissage, avec un salaire moyen pour nos jeunes diplômés et nos diplômés de 34 600 euros. Par mois, hein, bien sûr. Et 88% d'étudiantes et d'étudiants qui sont en poste moins de 2 mois après la fin de la formation, suivant une enquête qui date de 2001. Donc c'est des chiffres que voilà, je vous invite à considérer, puisque ça répond 2021. J'ai 20 ans d'écart, comme on dit. Qui sont à considérer aussi dans une autre perspective à laquelle nous tenons au CELSA, qui est la perspective des relations internationales, de l'ouverture à l'international, avec, une dimension qui est encouragée et accessible tout au long du parcours de formation. Alors cette accessibilité, elle s'incarne par la présence au sein des parcours du CELSA de ce qu'on appelle un DU, un diplôme universitaire, société, culture et pratique professionnelle, qui permet aux étudiants de passer une année à l'étranger, c'est entre le master 1 et le master 2, ou bien après le master 2 et l'obtention du diplôme, merci beaucoup Pauline, avec des partenariats divers, San Diego, Bloomington, Santiago, Sao Paulo, Brasilia, Beyrouth, Berlin, Istanbul, un certain nombre de perspectives, la possibilité de faire des séjours Erasmus également en Master 1 et de bénéficier d'une année de césure, on pourra y revenir. Autre élément lié à la vie ou aux relations du CELSA avec l'international, c'est la présence d'étudiants et d'étudiantes aussi qui viennent d'universités étrangères, mais aussi de chercheuses et de chercheurs qui sont accueillis au CELSA pour donner cours. Alors, la clé du succès pour le CELSA, à mon sens, au niveau de la licence, c'est la vie associative. On a une vie associative particulièrement riche qui permet aux étudiants de s'investir
et quelque part d'acquérir des connaissances, des savoir-faire qui sont en résonance avec ce que leur apporteront les stages et les apprentissages qui seront les leurs pendant leur formation à venir, avec des thématiques très variées. Le théâtre, là je pense à l'entracte, la littérature, la photographie, le cinéma, l'humanitaire, le vin, l'œnologie bien entendu, la mode, etc. Et une junior entreprise qui a été fondée en 1986, il y a quelques années donc, et qui contribue, je dirais, à ce parcours de professionnalisation qu'on met en place dans nos formations. Professionnalisation qui me permet d'évoquer le réseau d'alumni, réseau dense, de relations, qui dit aussi quelque chose de l'identité de notre école, au sens où dans notre école, le CELSA, nous sommes attachés à accompagner nos étudiants et nos étudiantes de manière individualisée. On tient à cet accompagnement parce que accompagner les étudiants et les étudiantes d'aujourd'hui, c'est aussi s'assurer de la pérennité d'un réseau d'intervenants, d'intervenantes qui reviendront. On le souhaite, en tout cas, donner cours et transmettre leurs connaissances. J'y viens, le parcours, le magistère. Chère Pauline, la parole est à toi. Merci Thierry. Je suis muette, donc je n'arrive absolument pas à voir le PowerPoint sur ma gauche. Donc je vais improviser. Le parcours magistère a sa spécificité du fait que c'est un parcours généraliste sur les métiers de la communication. Et notamment pour le concours licence, il faut savoir que quand vous intégrez le magistère, vous allez à la sortie du magistère, après 3 ans, être doublement diplômé d'un diplôme universitaire magistère généraliste en communication et du master 2 de spécialisation que vous aurez choisi à l'issue du master 1. Alors, ce qui fait, je dirais, la patte du magistère au-delà de son aspect généraliste sur les métiers et les domaines de la communication, c'est l'aspect culture, culture et communication dans le sens large. Les cultures des sciences de l'information et de la communication, les cultures dans le sens humanité, d'où le lien aussi avec Sorbonne Université, et évidemment les cultures sur les métiers, et le milieu et les domaines de la culture en tant qu'institution culturelle, mais aussi industrie culturelle et créative. Voilà, donc ça c'est au niveau du Master 2 qu'on va appuyer davantage cette spécialisation. Alors, le type de métier auxquels ouvre le magistère. Évidemment, c'est des métiers de communicants. Vous pouvez très bien aller vers la publicité, être planeur stratégique, mais aussi les domaines de la culture, comme chargé de communication. Dans les métiers de la culture, un musée, une fondation, ou même des agences spécialisées dans le conseil en culture. Également, on a des étudiants qui vont dans les domaines, je dirais, des industries créatives comme la musique, tout à l'heure on aura un témoignage, ou même voilà, le cinéma, l'édition, donc tous ces métiers qui ouvrent vers la culture. Je passe. Oui. Alors c'est un parcours qui commence à être voilà, à avoir un certain âge, qui va fêter bientôt ses 50 ans. Et donc on a vraiment une vraie expertise et un vrai réseau. C'est pour cela que le parcours magistère, je dirais, forme, on a l'habitude de dire entre nous, des magiciens de la communication, parce qu'ils ont à la fois ce côté généraliste, cette polyvalence hein, propre au diplôme du magistère, et cette capacité, je dirais, d'adaptation au métier de la culture qui demande quand même de développer son côté, je dirais, créatif. Et on vous accompagne, on vous aide, je dirais, au long des 3 ans, à développer aussi ce côté créatif. Au niveau de la licence, en vous accompagnant sur un atelier d'écriture. Au niveau du M1, en vous proposant de faire un portrait, j'en dis pas plus, peut-être que tu reviendras dessus. Et au niveau du Master 2, avec un cours assez nouveau en recherche et création. Donc, voilà, le double diplôme, c'est vraiment la spécificité du magistère. Alors, au niveau de la pédagogie, Thierry l'a un petit peu abordé, mais c'est très important pour nous hein, d'appuyer, dès la licence, ce rapport avec le milieu académique et de la recherche. Et on va vous donner un certain nombre d'outils propres à la recherche et aux humanités, ce qui fait vraiment la valeur ajoutée, je dirais, des étudiants du CELSA, tout en vous nourrissant hein, de plus en plus
un petit peu en licence, davantage en Master 1 et vraiment de manière majoritaire en Master 2, avec des outils professionnels où les cours sont assurés par des professionnels des différents secteurs de spécialisation. Alors, vous avez des professionnels, des médias qui interviennent, des institutions au sens large, des agences de communication, des médias, du numérique et des institutions culturelles et créatives. Je passe. Oui. Alors, comme il y a ce double diplôme, il y a davantage de cours que dans les autres parcours. Je préfère que le contrat de communication soit clair. Voilà. Donc, il y a 500 heures de cours au niveau licence, 100 heures dédiées plus spécifiquement au diplôme magistère en plus. D'accord ? Donc, 400 heures plus généralistes et 100 heures au diplôme magistère. 75% de cours en commun avec l'ensemble des licences et des cours plus spécifiques qui font la patte magistère ici vers, je dirais, un éveil au domaine de la culture. Donc, vous voyez, il y a un équilibre quand même de 25% spécialité magistère et 75% tronc commun, avec, dès la licence, comme on vous disait tout à l'heure, des travaux d'initiation à la recherche qui continuent en Master 2 et en Master 1, et qui en Master 2 prennent la forme, je dirais, d'un partenariat dont on vous parlera un petit peu plus tard, avec des institutions. Chaque année, on a des partenariats au niveau des Master 2. Alors, ce qui est important au niveau de la licence, comme l'objectif, hein, c'est de former des communicants, c'est de vous éveiller au métier de la communication. Donc, vous avez des intervenants qui travaillent aussi bien dans le domaine des institutions que corporate et institutionnelles, que au niveau de la communication politique, toujours pour vous éveiller, hein, c'est cette logique d'éveil, au niveau de la marque, hein, quels sont les métiers, qu'est-ce que le branding, qu'est-ce que la marque, qu'est-ce qu'une stratégie de marque, évidemment les ressources humaines pour tirer vers ce qu'on va appeler plus tard le management, la communication médiatique et numérique, qu'est-ce qui fait la spécificité de la culture média et du monde du numérique. Enfin, des industries numériques, ce qu'on appelle les industries numériques. Ensuite, le pendant culture et créatif, je ne vais pas revenir dessus, on l'a déjà abordé, mais ça vient aussi bien par des cours, je dirais, théoriques, assumés par des enseignants-chercheurs, par exemple, à travers une histoire des médias, une histoire des industries culturelles et créatives, des industries culturelles et créatives vers les cultural studies, par exemple, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, hein. Qu'est-ce que c'est que les cultural studies aujourd'hui, évidemment aussi vers les liens entre la recherche et la création et tous ces domaines, je dirais, qui touchent finalement à la culture et à l'éveil intellectuel. Peut-être, oui. Et ça permettra de passer au Master 1, dire que cette année de licence, c'est une année de découverte et aussi de formation d'un socle commun de connaissances pour l'ensemble des étudiants de tous les parcours, et c'est une année que je qualifierais volontiers de socialisation. C'est ce moment où vous vous engagez dans les associations, vous vous engagez en magistère, certes, mais où vous faites connaissance, vous faites des amis, des relations, et où se crée un esprit de promotion. Ce qui anticipe, c'est ce qui me... Voilà, c'est parce que... Oui, parce que Thierry s'occupe du Master 1, donc il va vous en parler plus spécifiquement. C'est ça, l'idée de la découverte par rapport au Master 1, le Master 1 c'est un peu le moment de bascule vers une dynamique de professionnalisation que tu évoquais Pauline, qui s'accentue avec des cours généralistes et des cours en communication culturelle, un champ d'enseignement qui est éclectique et qui est dispensé par des professionnels de la communication qui sont souvent des anciennes ou des anciens étudiants du parcours, dans des domaines qui vont être mobilisés par les étudiants dans leurs stages respectifs, que ce soit dans la culture ou plus globalement dans le monde de la communication, à savoir l'univers, par exemple, de la marque, de la communication institutionnelle ou de la compréhension du système médiatique contemporain, donc ce que je nomme ici marque, institution, média. L'année de Master 1, c'est une professionnalisation par la pédagogie, par projet. Donc les travaux de groupe, ça, on insistait pas mal avec Pauline sur ce point, avec... pour le Master 1 Magistère, une orientation culturelle et créative marquée, puisqu'on va, stimuler
La créativité des étudiants, leur fibre créative, c'est quelque chose qui nous semble important avec des projets qui sont spécifiques à chaque niveau, qu'il s'agisse d'écrire une nouvelle, de composer un portrait médiatique ou de s'exprimer au moyen de la vidéo, par exemple. Un intérêt pour la recherche appliquée qui se confirme en quête de terrain et un travail d'étude et de recherche qui est une recherche appliquée. Cette année, on a travaillé sur la thématique monuments et communication. Et la dynamique de professionnalisation s'accentue par un stage de 3 à 6 mois ou un séjour à l'étranger de type Erasmus. Je te donne la parole pour les Master 2. Alors, donc, à l'issue de la licence et du Master 1, arrive le moment de la spécialisation. Donc, au niveau du magistère, on propose 2 spécialisations en Master 2, avec des rythmes différents et des spécialisations vers les métiers de la culture différents. C'est important et on vous accompagne, hein, je dirais, toute l'année du Master 1 pour vraiment réfléchir à cette spécialisation, parce qu'ensuite, ben voilà, ça engage vers, je dirais, des logiques un petit peu différentes, aussi bien en termes de rythme et en termes de projet professionnel. L'objectif, dans donc, ces 2 parcours, 2 spécialisations, c'est management culture, stratégie de communication en formation initiale. Ça veut dire que vous êtes du mois de septembre jusqu'en mois de février à temps plein en cours au CELSA et ensuite vous partez faire un stage. Et la couleur, je dirais, culturelle de cette formation de spécialisation, c'est patrimoine et institutions culturelles, les musées, l'édition, les fondations. L'autre parcours, management et culture créative, est dans un rythme en apprentissage. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous avez le statut à la fois d'étudiant et d'apprenti, donc un rythme différent. Un apprentissage, ça veut dire un contrat de travail signé au sein d'une structure, pardon, qui vous engage pendant à peu près une année universitaire. Donc vous êtes du lundi au jeudi dans l'institution ou l'entreprise qui vous accueille pour votre apprentissage. Et ensuite, le vendredi au CELSA avec d'autres semaines pleines durant l'année. Donc, en gros, vous êtes de septembre au mois de juin en alternance et tout l'été à plein temps en entreprise. Voilà, donc ça, c'est important. Et la couleur management culture créative signifie les industries culturelles et créatives. Donc, ce sont les grands domaines comme la spécialisation vers les domaines du cinéma, évidemment aussi de l'édition, de la musique, dans une certaine mesure aussi les fondations et les musées, mais c'est un peu plus la caractéristique de l'autre spécialisation. Il est important de rappeler que comme on a une formation généraliste, la possibilité de faire son apprentissage dans d'autres domaines ou son stage de Master 2 que ceux de la culture est totalement ouvert et chaque année on a un certain nombre d'étudiants qui choisissent de continuer vers cette perspective généraliste parce qu'ils veulent rester des hyper communicants, polyvalents dans les domaines de la communication. Alors pour vous donner un exemple, cette année des apprentissages, des lieux d'accueil d'apprentissage, donc concernant les industries culturelles et créatives, j'ai des étudiants qui sont dans le domaine de la musique chez Warner ou Sony, des étudiants en édition chez Robert Laffont et d'autres qui sont dans des médias comme Canal, et enfin des institutions plus ouvertes comme eh bien, par exemple Havas Paris voilà, qui est un groupe de publicité. Donc vous voyez, voilà, cette possibilité reste ouverte évidemment pour les étudiants qui ne sont pas qui ont une affinité avec la culture mais qui ne se dirigent pas forcément vers ces métiers-là. Alors ce qui est important, c'est d'anticiper que cette année-là, que ce soit sur le Master 2 classique ou le Master 2 en apprentissage, est vraiment l'année de professionnalisation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans les programmes, les enseignants-chercheurs vont être, en termes de cours, moins importants. Ils vont être dans l'accompagnement. Mais les cours vont être surtout assurés par des professionnels qui vont venir vous transmettre des outils, des expériences sur les métiers qu'ils exercent et sur les métiers vers lesquels vous vous destinez et vers lesquels vous pouvez vous identifier finalement à travers ces rencontres des professionnels. Aussi,
ça explique que la logique de recherche appliquée que vous a exposée Thierry au niveau de la licence et du Master 2 qui passe par des travaux de groupe que sont le TIR, l'initiation à la recherche ou le travail d'enquête en Master 2, passe cette année-là par ce qu'on appelle le grand cas. Le grand cas, ça signifie qu'on va chercher un partenaire privilégié avec lequel on va travailler, collaborer, les étudiants voilà, étant très investis dans ce partenariat, sur une thématique in situ qui concerne le partenaire. Alors, par exemple, sur le parcours magistère, en apprentissage, pendant 2 ans, on a eu comme partenaire Arte sur une première année la notion de diversité dans les programmes et la deuxième année sur la notion d'écologie. Cette année, c'est Sony Music. Sur le parcours classique, plus le parcours spécialisation patrimoine, il y a eu un partenariat qui continue avec les éditions du Seuil et la collection Point, et aussi la cité du vin et de la gastronomie, voilà, en tant qu'institution culturelle. Et donc, on demande aux étudiants de s'investir beaucoup dans ce partenariat parce qu'ils doivent répondre à des thématiques importantes et faire des recommandations et mobiliser pour cela tout leur savoir-être et savoir-faire acquis aussi bien grâce aux professionnels, aux outils professionnels qu'on cherche à leur transmettre ici, mais aussi, je dirais, à ce qui fait la patte CELSA, des outils venant des humanités comme l'enquête, l'analyse narratologique, la sémiologie, etc. Alors là, c'est la diapositive que vous voyez, c'est la présentation du premier master qui est le master classique, donc management, culture et stratégie de communication, comme vous l'a présenté Pauline, avec une période de CELSA et une période de stage. Plutôt dans le champ, en termes de perspective professionnelle, de la gestion de projet, du conseil dans le domaine culturel au sens large et du patrimoine, avec des organisations diverses en termes d'intégration, institutions, fondations, musées, entreprises, agences, cabinets d'études, etc. Et donc vous voyez ici les objectifs. Je reprends et je synthétise très rapidement, oui. Pauline. Hein, concevoir, piloter et mettre en œuvre des stratégies de communication dans le domaine des institutions et des entreprises culturelles et un ensemble de projets qui a été précédemment évoqué par Pauline. Je vais pouvoir passer au deuxième master qui est ton master en apprentissage. Alors là, c'est encore plus resserré, Pauline, au niveau de la... Oui, c'est encore plus resserré, mais en fait, vraiment, l'idée, c'est comment cette formation pluridisciplinaire propre au magistère aide à s'adapter, je dirais, à des transformations extrêmement rapides, hein, dans les domaines de la culture, notamment avec l'arrivée du numérique et dans ces industries culturelles, à être force de proposition, je dirais, en termes de prospect et de stratégie, parce que, voilà, par rapport à des étudiants qui viennent des écoles de commerce, par exemple, vous avez vraiment cette capacité de ce qu'on appelle, hein, en humanité, de praxis critique, c'est-à-dire, voilà, prendre de la hauteur, mobiliser les humanités pour essayer de comprendre, eh bien, voilà, qu'est-ce que c'est que... un usage numérique, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme, le streaming, comment... voilà, ce genre de questionnement, je dirais, sur qu'est-ce qu'un usage, une pratique quotidienne sur les plateformes, le streaming, pour donner un exemple, parce que cette année, on travaille avec Sony Music, et c'est vraiment cette problématique qui est la leur, où, alors pour le domaine, je dirais, plus ouvert de la culture... comprendre finalement les grandes transformations qui percutent ces domaines et qui sont extrêmement rapides et voilà, avoir cette capacité d'adaptation et de réflexion continuelle au-delà de pouvoir être des bons communicants. Tu as peut-être d'autres mots sur l'alternance ou c'est... Non, parce qu'en fait, j'aimerais donner du temps après pour 2 étudiants qui sont venus spécialement témoigner. D'accord. Donc, okay. Voilà. Alors, on va dire quelques mots quand même sur le concours. Je vais le faire, si tu veux, synthétiquement. Oui. Sur les voies d'accès au concours, il y a différentes voies d'accès au CELSA en licence 3 et en master 2. Pour le moment, en licence 3, il y a une voie dite classique qui va supposer que vous constituiez un dossier administratif et aussi...
constitué d'autres éléments avec un commentaire personnel sur une réalisation individuelle qui permet d'éclairer la candidature et sa pertinence. Également, une épreuve écrite en temps limité à partir d'un sujet donné. Ça, c'est des éléments qu'on a pu vous dire sur toutes les autres conférences. La deuxième voie d'accès pour ce qui concerne l'entrée au CELSA, c'est la voie dite voie interne, donc Sorbonne Université, où il faut être inscrit en L1 et L2 ou L2 et L3 à Sorbonne Université, avoir suivi tous les enseignements. Le protocole de label, alors ça c'est les candidats-candidates qui viendraient de classes préparatoires et qui auraient obtenu par cette voie-là, aux disciplines écrites, des notes supérieures à un total défini par le CELSA. Autre voie d'accès, la voie spécifique ENS qui est semblable un peu à label, et les voies spécifiques DUT, BUT et BTS de communication qui constituent une voie d'accès spécifique. La particularité de ces voies d'accès spécifiques, c'est que vous n'avez pas d'épreuve écrite à passer, vous passez directement l'oral. L'oral, c'est la colonne de droite, c'est la colonne d'admission, c'est un entretien de motivation avec un jury constitué d'un enseignant, chercheur ou chercheuse titulaire. Donc pour le magistère, ça peut être Pauline Escandgoquier, Olivia Him ou moi-même, et un ou une professionnelle de la communication. Donc c'est cet entretien-là qui permet de définir l'admission. Quelques chiffres, mais que vous pouvez trouver sur le site du CELSA, et vous avez les informations en document. Le concours d'entrée en Master 2 suppose également une voie classique avec un dossier à remplir. Et il y a aussi une voie interne pour le Master 2 où, qui suppose également, j'essaye de me repérer dans ce tableau-là, qui suppose que les étudiants soient inscrits en Master Recherche de la Faculté des Lettres ou inscrits en Master Deuxième Année de la Faculté des Sciences et Ingénierie de la Faculté de Médecine. Bien, il y a deux voies, classique interne et même chose, un entretien d'admission, de motivation avec un jury. Et je pense qu'on peut, avant de donner la parole à nos étudiants, peut-être rappeler les attendus à l'écrit et à l'oral, et notamment à l'oral. La première chose, c'est avoir une culture générale large, lire la presse généraliste, spécialisée, écouter des podcasts, en fait faire preuve de curiosité, d'ouverture. Avoir un esprit critique, un esprit analytique, savoir synthétiser et écrire. On n'insistera jamais assez sur cette question du savoir écrire, des qualités d'expression, et tant à l'oral qu'à l'écrit. Réfléchir à un projet professionnel structuré. Ça ne veut pas dire en licence 3 qu'il faut savoir absolument où on veut aller, par exemple, mais avoir une idée, construire quelque chose, se projeter, et de manière plus attendue en Master 2, notamment en apprentissage, où là, le projet professionnel doit être un peu plus peaufiné. Peut-être et... je vais... Ah, excuse-moi. C'est marqué lire. Dernier point. Lire. Oui, parce qu'il y a une bibliographie en licence, en Master. Alors, il ne s'agit pas de lire toute la bibliographie, mais d'avoir connaissance quand même de cette bibliographie et d'avoir lu deux ou trois ouvrages pour arriver, je dirais, en forme à votre jury d'admission orale ou à l'écrit. Il y a quelque chose qui est important pour nous dans le magistère, et ce sera le dernier mot parce que je vais ensuite faire venir les étudiants, c'est aussi mettre en avant votre singularité. Et vous allez connaître la singularité de certains de nos étudiants parce qu'ils vont venir témoigner. N'hésitez pas, cette singularité qui peut être par des engagements associatifs ou autres. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important lors de l'entretien notamment parce qu'on essaie de faire des formations assez hétérogènes pour que des rencontres aient lieu parmi les étudiants, mais des rencontres aussi avec nous, les enseignants. Et cette notion d'altérité est vraiment très importante pour nous au sein du magistère. Et on espère, par le recrutement, pouvoir répondre aussi à cette notion d'altérité. Alors peut-être, est-ce que vous admettez, les deux singularités qui sont venues aujourd'hui peuvent venir témoigner. Puis on va Y a d'autres étudiants aussi. Vous voulez venir témoigner? Alors, on a 10 minutes. 10 minutes, ça fait 5 minutes de présentation. Ce qu'on peut faire, Pauline, c'est se déplacer là. Voilà. Comme ça, vous avez votre micro. Excusez-moi, je déménage. Rapidement. Bonjour. Bonjour.
On va se présenter très rapidement. Je m'appelle Victor. Je suis en Master 2 Magistère Parcours Management Culture et Créative, donc en apprentissage. Moi, j'ai rejoint CELSA il y a 3 ans, du coup, à partir de la L3. Et voilà, je réalise cette année mon apprentissage chez Warner Music. Donc, comme avait dit Madame Escanguy et Monsieur Devars, on peut vraiment toucher à... Enfin, dans notre classe, on a vraiment des étudiants qui sont dans plein de types d'entreprises et d'institutions différentes, aussi bien dans le domaine de la culture, mais même autres, dans des milieux beaucoup plus variés, divers et variés. Et voilà, si tu veux te présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Tania. À la différence de Victor, j'ai rejoint le CELSA donc, cette année, donc j'ai passé le concours en Master 2. Auparavant, j'avais réalisé un Master 1 et 2 d'histoire, donc histoire-recherche, et j'ai décidé, afin de me professionnaliser plus et vraiment d'aller vers les métiers que j'ai envisagés, donc d'entrer au CELSA. Moi, ce qui m'a orientée vers la communication, justement cette singularité dont on a parlé, c'était mes engagements en tant que bénévole. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé la communication. Et là, actuellement, je suis en alternance, donc dans le même parcours que Victor, au sein de la fondation Transdev, en tant que chargée de mécénat. Donc voilà, il y a vraiment de tout. La fondation soutient des projets culturels, mais pas que. Et donc voilà, c'est un parcours très généraliste et à la fois professionnalisant et qui nous apporte beaucoup, beaucoup de théories. Donc c'est vraiment un parcours complet et je vous encourage vraiment à tenter votre chance parce que vous avez tous votre chance. Voilà. Et aussi parce que je rebondis justement sur ce que tu as dit. En gros, ce qui est intéressant, c'est que les 3 années, même l'année de Master 2, mais comme les 3 années de formation en magistère, vous offre un contenu théorique que vous pouvez, avec des connaissances que vous pouvez vraiment utiliser durant toutes vos formations, mais même pour après. Et il est cumulé avec des compétences pratiques que vous allez acquérir à la fois pendant des études de cas, lors des formations, mais même pendant vos stages, vos apprentissages, etc. Enfin, vraiment, c'est une formation très complète, très dense, avec beaucoup de travaux, beaucoup d'organisation, un rythme de travail à acquérir et à développer tout au long des formations, mais qui derrière vous apporte vraiment beaucoup dans votre construction professionnelle, que ce soit en tant qu'étudiant et même après en tant que professionnel. Et par rapport à ça, c'est vraiment une formation très, très intéressante, très transverse, qui touche vraiment à tout. On a des intervenants qui travaillent à la fois dans des domaines de la culture, mais aussi dans des domaines dans le marketing, dans l'économie, dans vraiment... on touche vraiment à tout, quoi. Donc c'est vraiment super intéressant. Et même quand vous discutez avec des anciens étudiants du magistère, il y en a qui travaillent pas fort, enfin qui travaillent vraiment dans tout et n'importe quoi, qui ont mobilisé les compétences du CELSA pour après trouver leur voie dans plein de contenus différents, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Moi personnellement, j'ai rien à ajouter. Je pense qu'on est bien d'accord sur ce qui fait vraiment la spécificité du magistère. Donc voilà. Moi, je peux rajouter peut-être un petit truc sur le CELSA en lui-même, même toutes les formations. C'est ce qui est intéressant avec l'école, c'est qu'elle vous apprend dans n'importe quel parcours et n'importe quelle formation à développer une réflexion celsienne. Et c'est ce qui va vraiment vous démarquer après dans vos travaux, dans votre manière de vous présenter, de travailler avec les autres. Car après, c'est des profils qui sont vraiment très intéressants pour la suite. Et on distingue très facilement les personnes qui ont fait le CELSA, les personnes qui ont bénéficié des formations et du CELSA par rapport aux autres. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et puis aussi, au niveau même de la vie étudiante, c'est vraiment à partir de la L3, en tout cas, vous pouvez, comme a dit M. Devars, c'est une année de sociabilisation. Vous avez les associations que vous pouvez rejoindre et on vous invite vraiment à vous investir dedans parce que c'est des super projets collectifs avec une bonne ambiance, avec beaucoup d'opportunités possibles. Si vous aimez le théâtre, il y a l'entracte. Si vous aimez le vin, il y a Why Not, enfin, il y a plein de trucs. Enfin, vraiment, vous pouvez rejoindre tous les domaines, tous les thèmes possibles. Et par rapport à ça, c'est très ouvert d'esprit. Tout le monde est vraiment le bienvenu et peut s'investir dans le milieu qui lui plaît. Et voilà, en gros, ce que j'ai à dire. Donc, on va devoir bientôt clôturer cette conférence. Je voulais ajouter un mot, je pense que, du moins on essaye,
C'est un accompagnement aussi sur 3 ans en proximité. Alors, grâce évidemment à l'équipe pédagogique, mais aussi aux coordinatrices pédagogiques. Voilà, vous avez ici Aïssatou qui est présente. C'est ce qui fait vraiment la spécificité du CELSA, je pense, hein, par rapport à un cursus universitaire et qui donne, je dirais, la logique école. Donc, évidemment, le réseau des anciens, les alumni, etc., mais aussi cet accompagnement où on essaie d'accompagner au mieux les étudiants sur les 3 ans, de leur garantir de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais pour donner le meilleur de soi-même, il y a quand même de l'exigence. Voilà. Donc il y a de l'exigence dans le travail, dans l'application, dans la présence en cours, ne serait-ce que par respect pour les professionnels qui viennent, qui donnent du temps, qui souvent ont des postes importants, parce que ce sont des anciens du CELSA et qu'on est ambitieux pour nos étudiants et que ça fonctionne. Vous verrez que dans les anciens, il y a beaucoup de directeurs de communication, etc., dans différentes institutions. Donc voilà, cette bienveillance, exigence, sont les maîtres mots aussi de l'école, évidemment du magistère, mais j'espère que voilà, on y arrive. Peut-être. Je crois que tout est dit. Mais c'est vrai que ce principe de la proximité avec nos étudiants, dans l'accompagnement, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui fait aussi l'identité de cette école. Donc j'en dirai pas beaucoup plus, Pauline, je suis d'accord. Voilà, et vous avez des administratifs qui sont très présentes et qui vous aident beaucoup. On a une cellule dédiée pour aider les étudiants à chercher un apprentissage et un stage, voilà. Donc il y a aussi cette spécificité-là, alors qu'on reste une institution publique avec des moyens publics, je tiens à le rappeler. Voilà, donc c'est important. Si vous avez des questions, nous vous attendons, c'est quoi la salle, Aïssatou ? 108, voilà, il y aura les étudiants qui seront là pour vous répondre, mais nous aussi, pour de plus amples questions sur le concours et le parcours magistère. On vous remercie. Merci beaucoup. Merci.